Hello les amis, salut salut, comment ça va? Comment vous allez ce soir? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end,
De Pentecôte, je crois, le carpiste. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Et toi, mon cher Brady, Bah écoute, ça ça va va bien. très Ça bien. va bien après une petite balade aujourd'hui en forêt, on a pris l'air, on a marché un petit peu, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Voilà, après un Ah, grand prix il faisait beau, non? après un grand prix qu'on a vu pas très excitant, on en discutait là tous les deux. Mais bon, avec un bon podium quand même bien pour Norris, très content pour Norris. Et puis pour Sainz aussi, hein, mais moi j'aime beaucoup Norris. Ce petit anglais, voilà, comme Ah vous pouvez le oui, constater, il fait une cette bonne année, il fait, saison. ouais, quand même, il fait une bonne saison, je pense, vraiment. Voilà. Bon, ben la course test est lancée, on va recevoir la télémétrie dans Toujours dans les quelques bons coins, instants. Norris, dans tous les cas. Alors, Est-ce possible alors. d'avoir avoir une invite, s'il te plaît? Mais bien sûr que je vais t'envoyer ça. Alors. Je vais t'envoyer ça. Okay. Est-ce que je vais pouvoir t'envoyer? Je peux t'envoyer ça depuis le. Alors. Bon, mais aujourd'hui, on se retrouve, on l'a vu. On se retrouve en Chine. On se retrouve sur le circuit de Shanghai International, qui est un circuit qui n'a pas beaucoup d'histoire. Mais enfin je veux dire au niveau qui est pas très très ancien on a rarement des temps je parle au niveau de la météo, on a rarement du très beau temps là-bas, donc je sais pas ce que ça va nous Ouais, donner. On va voir ça, plus souvent. on va voir ce que ça va nous donner. Alors est-ce que tu as reçu dans la télémétrie? Pour le moment j'ai pas, on vérifie. Non, Ah je l'ai voilà, pas reçu. ça y est, Bouzam qui envoie. Au moment, tu vois, il suffit de le demander, C'est bam. bon, on en parle, bim, nickel. Voilà, en attente de data, bim, badaboum, bam, bam, ça fonctionne. C'est très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien pour ce Grand Prix, la 7e édition de la VMV en ce qui concerne la Ligue PS4. PS5, on a un plateau aujourd'hui. Tu m'as dit qu'il est pas tout à fait complet, d'après ce que tu m'as dit. Je crois qu'il manque Ouais, Kalel, hein. des pilotes. Ouais, Khaled. Attends, j'ai un problème avec F1. Salut Acta, bah ouais, aux couleurs alpines, ouais, represent. J'aime bien le bleu, et puis bon, c'est vrai que la casquette alpine, je suis pas peu fier de l'avoir attendue aussi longtemps, mais j'ai vu à Je Ocon comprends. avec une casquette la même sans le A, elle est encore plus belle. Eux ils ont vraiment des casquettes qui tuent, les pilotes, hein. Ils ont vraiment Ouais, au niveau ils ont des belles casquettes. de la sape. On a Clo-Clo, le bro-bro qui nous suit. Merci à toi Full Golden qui prend un abonnement, c'est son Un deuxième mois petit d'abonnement. abonnement. Merci Full Golden, merci du resub, tu fais plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, oh là là, ça n'arrête pas, ça sonne dans tous les coins. Dommage, ça couvre un peu tes cheveux. Ouais, je sais. Ouais, je sais, mais je les rase mes cheveux. Je les rase mes cheveux. Bon, arrêtons de parler de mon look. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on voit ta tête aussi, un peu, le carpiste, un de ces quatre, là. Si, Ouais. hein? Si on peut voir ça filmer. Ah, ça va être compliqué, je pense. Ouais, tout est faisable, tu sais que la technique, tout est faisable. Alors, quelle heure il Ouais. est? Il est 21h04, on a un petit peu de retard aujourd'hui, c'est dû au problème de passeport chinois. Comme vous le savez, il faut un visa pour aller en Le Chine. Covid, c'est Alors, compliqué hein, en ouais, plus. et tu sais comment ils le font, le test Covid là-bas? Non, je sais pas. Alors, dans une partie du corps où. Alors, apparemment, ils se sont rendu compte que les PCR, ça marchait pas très bien. Non, excuse-moi, je lis le chat en même temps parce qu'il y a Clo-Clo qui nous dit coucou et Acta qui nous dit à 250 euros le sub goal, on voit la tête du carpiste. Ah, Allez, bam! 250 euros ok. là. Allez, on va mettre une. Ce On va mettre. soir, Ouais, non, non, 250 euros, il n'y a juste pas. ce Non, non, il soir. n'y a pas mis de. Non, non, il n'y a pas de limite de temps, non.
Ça m'arrange qu'on arrête de, on arrête de parler de ces tests PCR en Chine parce qu'ils les font dans les fesses. Je te jure. Voilà. Ils te mettent un petit coton-tige pour voir. Et voilà, regarde un petit peu, on a Claude Brochette le sang qui nous rejoint. On a 524 followers maintenant. Et pour 214 euros, il manque pas Ah. beaucoup. Ouais. On est à 214 euros près pour voir ta tête. Mais bon, voilà. Bon, bah, écoute, en tout cas, en ce qui concerne le classement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le classement? Je vais te donner ça tout de suite. Hop, Je regarde en le même temps, hein, classement. puisque bien sûr. On le retrouve. Non, ça c'est les réclamations, c'est pas le classement. Ah non, les réclamations, c'est peut-être Classement. pas. Non, c'est pas utile. Non, c'est pas utile. Ah, c'est assez Alors. serré, hein. Ouais, hein. Très serré, là, cette manche. Vraiment, cette manche, hein, entre le premier et le deuxième Ah et ouais, le effectivement. troisième. Il y a 8 points d'écart entre les trois premiers. Derrière, toujours devant, hein, depuis presque le début de la saison. Hein. D'accord. Toujours été devant, bah, à part au changement, Avec à 128 la points. trêve, ouais. Avec 126 points, après on a Et ouais. Ziken, On a nouveau, Ziken qui revient qui a bien, fait hein, une belle ouais. performance à Monaco. Il finit en Exactement. premier, Ouais. qui est juste à 3 points de Dayard. Et en Exactement. troisième position, on a Khaled qui est absent ce Et soir. ouais, qui est absent C'est malheureusement, dommage qui pour lui parce a. que Ah, il avait il a un coup à perdu, jouer il a perdu là, il beaucoup, avait il un a coup à perdu jouer, points. ouais. Il va laisser Ouais. passer des points à un moment, bon, c'est la septième Après. édition de cette saison 7 déjà, puisqu'ensuite on se retrouvera sur le. Sur la Russie, sur la Grande-Bretagne et sur le Brésil. Voilà, Ouais. voilà. Alors que là, ça y est, les pilotes ont commencé à lancer. Je pense que on va pas tarder à pouvoir activer la télémétrie, avoir tout ce qui va bien. Là où il va bien. Hop, l'iPad. Voilà ce que j'ai oublié, l'iPad. J'espère qu'on va avoir de la pluie. Ah, dis pas Pour un peu de ça! pluie. Ah Ah, si, ce sera mais à plus mon avis. À mon intéressant. avis, si, à mon avis, c'est l'endroit. À Shanghai, c'est en Salut, Asie. Dayard. C'est en Asie. Ouais. C'est coucou, Dayard. Shanghai, c'est situé assez au sud, quand même, de la Chine. Et c'est vrai que il peut faire très beau. Bon, c'est pas le climat de Pékin, où c'est toujours très, très gris. Mais c'est un climat qui se rapproche un peu plus des températures du sud. Donc, il peut faire très chaud, et puis tout d'un coup, pleuvoir, une pluie assez chaude. À Alors, un torrent, et puis c'est vrai tsunami qui que. va passer au milieu de la course. Ah bah non, j'espère pas, ouais. J'espère pas. En plus, vu que c'est en irréel, faut voir. Eh ouais, on est Imagine, il va en. pleuvoir toute la Alors, moi, je regarde course. pas du tout la météo. Je regarde pas J'ai du pas tout la. regardé aussi, Non, moi, mais il je fait fais gris. exprès. Hein. Là, c'est gris. Hein. Je fais exprès. Je fais exprès de pas regarder la météo, comme ça, moi, je suis tranquille. Et comme ça, je suis pas influencé. Là, les qualifs, elles se font. Voilà. Il fait beau en qualif. Voir après pour la course. Mais le temps est très gris. Hein. Il Ouais, peut y c'est avoir de toujours la assez pluie gris, encore. toujours assez gris en Chine. Hein. Avec ce circuit qui ressemble vraiment à un Shadow, je trouve. Allez, ça y est, ça sort pour les Mercedes. On a une McLaren aussi, je crois. Ouais, on a les AlphaTauri, c'est premiers qui sortent. Ozavia. Ozavia, le premier qui est sorti, on va rester avec le pilote là. Le Moi je vais mettre pilote sur Zaiken qui est juste derrière lui. AlphaTauri. Ouais, ils sont sortis de très bonne heure, les pilotes. Ouais, il y en a qui tentent un médium quand même. Il y en a quand même quelques-uns qui tentent un médium. Eh ben, il y en a trois. Ah ouais, quand même, ouais. Khachanovitch, Mrazek aussi. 5. Et ouais, quand même. Ouais. Alors, sur ce circuit, les pneus sont les pneus de la gamme C4 que nous avons ce soir. Et donc ce sont des pneus qui sont un peu plus durs que les autres. Et c'est vrai que, après, je sais pas ce que t'en penses, toi, au niveau stratégique sur la Chine. À La part Chine s'est réussir déroulée ouais, à part. depuis, alors c'était compliqué. Au niveau stratégie, on va voir un petit peu ce qu'ils vont choisir. Parce qu'effectivement, il y a pas mal Après, faut de. voir hein, si. Après, là, vu qu'il y en a certains qui tentent en médium, je pense qu'il va pas y avoir de la pluie tout de suite au début. Voire il y aura Ouais. peut-être même pas de pluie.
Parce que je pense que tout, s'il y aurait eu de la pluie, tout le monde Ouais, serait si sorti effectivement, en stats. s'il avait été Alors signalé. forcément, Ouais, s'il avait été c'est qu'il y a signalé. eu équivalent du sec au début, au départ. Alors après, faut voir. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps à perdre, ils vont perdre beaucoup de temps les médiums par rapport à la grande ligne droite. Ouais. Je pense que c'est là le plus chiant, parce qu'après c'est des virages un peu partout. Secteur 1, secteur 2, mais secteur 3 avec la grande ligne droite. Ça va être compliqué, je pense, de tenir les tendres en termes de vitesse de pointe et en termes de temps. Écoute, on va voir ça. On a Zikien qui se lance là. Ouais, le premier qui se lance. On va voir s'il arrive à refaire comme à Monaco, une bonne qualif et une bonne course. Alors, j'ai pas trop de références au niveau des temps, moi, sur ce circuit. Comme je vous dis, c'est pas un Moi, circuit, moi, qui m'attire beaucoup. Toi non plus, de même, apparemment. hein. C'est assez clair que non, il m'intéresse pas plus que ça, celui-là. Hein. On va voir ce que ça va donner là pour Ziken avec un très beau casque bleu, blanc, rouge. Ouais. Et attention de ne pas sortir aussi sur circuit. Hein. Attention Ah oui, on peut vite sortir, hein. d'un pas de pas invalider son tour au niveau des qualifs surtout. Bah après bon, bien sûr ça va coûter en péna, hein, mais surtout au niveau des qualifs, je pense que là ça va être important de voir un petit peu. Ah, je pense là où il va y avoir peut-être le plus d'avertissements et de pénalités, c'est dans le dernier virage. Ouais. C'est vu que c'est un virage rapide, c'est soit Ouais. tu rentres bien, Ouais. mais si tu réaccélères trop tôt, bah t'es dehors, Ouais. ou si tu coupes au début. C'est soit tu sors, soit tu coupes avant. C'est vraiment, je pense que c'est le virage le plus dur, je pense, avec Voilà, tu le vois, premier. là il a bien mangé, hein, il a Il bien l'a bien. Ouais, ouais. ah ouais, il Il était a pas bien loin, mangé, hein. hein. On est à une 30 528 pour le pilote. On connaît pas la météo, il nous dit full golden, si il va. Enfin nous non. Nous non. Non, pas nous. Nous non, mais eux ils l'ont et à mon avis tu venais de le dire, hein, le carpiste, s'il sort en jaune, à mon avis c'est que ou alors il n'y a pas du tout de, enfin à mon avis il y a peu de chances qu'il y ait de la Il y pluie, aura ouais. plus. Et quand même, se méfier vu que le temps est assez gris. Après, on va voir pour la course, hein, ce que ça veut dire. Est-ce Mais que je ça vois se là, trouve? les médiums, ils perdent 2 secondes, hein, Hello au Bouzam, tour. Hein. coucou Bouzam. Salut, Bouzam. Là, je Les regarde le médiums temps perdent d'Ozavia deux secondes au tour, dixième. tu dis? Ouais. Ouais, bah là, Ozavia est 2 secondes derrière. Hein. Je Exactement. pense c'est pas forcément. Je pense qu'à la fin de la séance, tout le monde sera entendre. Hein. Là, Bah. je vois, ils testent un peu, ils prennent un peu la Ouais, ouais, piste et. ouais. C'est possible après. Ouais. Et là, au niveau de la météo, il peut tout se passer là-bas. Hein. Wow, ça sort large là Ah pour oui, c'est clair. Ziken. Non, qui se pousse, pardon. Il laisse passer. Il laisse Ouais, passer un petite retardataire. surpets. Alors, Pets. Surpets qui va bientôt arriver Voilà, Pets au qui va dernier virage. arriver. Le pilote Renault. Tiens, médium aussi qui tente. Et qui va signer un beau Ouais, 4e deux temps, c'est pas secondes. mal. C'est pas mal. Ouais, Premier c'est pilote pas en mal, jaune à hein. passer là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Qui reste C'est voir ça pas Zazat si qui loin arrive. que. Voir Zazat, C'est il pas. arrive. C'est Ah, il a à pris le 5 dixièmes, secteur hein. 2. Ah. Ouais. Le secteur 2 en violet, voir Zazat là. Alors, Warzazat, il est super chaud. Il est Et où? voir Il est là? Zazat. Ah, mais oui, il est là. Ça bloque un peu les roues. On va essayer de reprendre un peu de l'adhérence ici. Donc, à quelle vitesse il va le passer celui-là? Ouais, 5e, hein. Bah, tu vois, il le passe Ah, vite. ouais. Il Et l'a pris. bing! Ah, prends le meilleur tour. Une Prends le meilleur 29 621. tour, Zazat. On va aller voir Oakwolf qui est sorti en médium. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui tombent en médium. Là, ils Ouais, sont ouais, ouais. 4, ils sont 8. Alors, parce que la moitié de la course, la moitié Matt du. Forex, c'est pareil, il La est en moitié. médium. Voilà, pour l'instant, les pilotes qui sont pas. Là, il y a la petite au stand. Oh, attention, ça Oakwolf sort qui est large là, ouais. encore sorti. Attention. Passer, tic, on va se mettre sur tic. J'ai pas perdu beaucoup dans le secteur 1. Ah, tu vois, ça commence à tomber, hein, les temps en rouge là. Ouais, on voit qu'ils sont devant. Hein. Ouais. Ah,
on a Matt Forix là qui va se. On va rester avec le pilote McLaren là qui est en train de se lancer. Avec une livrée que j'ai vraiment appréciée ce week-end, là, que je trouve vraiment à l'ancienne, ouais, magnifique. Ouais, très belle, hein, elle est magnifique, celle-là à côté, ouais, c'est ouais. Vraiment. Mais c'est une horreur, quoi. Mais tu vois, elle... c'est ce qui manque, un peu sur F1. Genre de le jeu. C'est ah oui, oui. Une fois, je pense, de livrée de. Ouais. Genre de Mighty, Kyle. Bah après, t'as les voitures multijoueurs, mais. Honnêtement, je crois que les mecs qui font les designs et les couleurs. Après, heureusement qu'on peut changer les couleurs, mais même les designs, ils prennent du LSD, ouais. Quoi. C'est pas possible. Ils sont sous extasie ou je sais pas quelle drogue, mais faut qu'ils arrêtent. Quoi. Ils ont, non, mais c'est fluo, flash, enfin, des trucs. Allez, c'est parti pour Matt Forix. On va rester avec lui là dans cette portion assez difficile. Je suis repète pour voir s'il va être en amélioration. Ah, bah attends. Ouais, Kev hein, qui est bien, hein, qui est quatrième en jaune, qui va ressortir d'ailleurs. Ouais. Allez, ça bloque un peu les roues ici, attention. Ouh, Wolf qui prend le meilleur secteur 1 en médium, qui continue comme ça. Alors, on va acheter un coup d'œil sur le TAS. Possible qu'il pleuve en fin de course aussi et qu'il tente le premier relais jaune jusqu'à la pluie, ouais, bah ouais. Ouais. Possible aussi, bien vu. Ou Goff qui est en médium là qui vient de prendre les deux premiers secteurs en violet. Il reste plus que la ligne droite. Je pense que c'est là qu'il va perdre le plus. Allez, de cinquième temps, hein. Pour Matt Forix. Ah, très bon temps en médium. Hein. Alors où est-ce qu'il est le TAS? Hop. Dashboard d'ingénieur, voilà, il est là. 333 km/h en médium avant le freinage de l'épingle. Ah, donc effectivement, ouais, pour le moment. Il a eu chaud là. Ouais, il a eu chaud, hein. Je veux qu'il prenne la... ouais, il a eu chaud, il prend la 7ème place. Il améliore, ouais, mais. Place, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est Morzak hein, qui signe. C'est, pardon, ouais, Warzazat qui signe le meilleur temps. Pas fait de chrono. Ok. Donc sur le TAS en fait, tu t'étonneras pas. Le premier pilote c'est pas Morzak 09, c'est Morzak 092. Ce sera, je pense, Warzazat. Ok. Un drapeau jaune. Attention ici là, Oxywolf. Voilà, qui se bouge gentiment. On va mettre ça en dark mode. Voilà, beaucoup mieux le dark mode. Beaucoup mieux le dark mode. Ça lag un peu sur le live. Ça lag un peu, tu dis? Ouais, ça fait bien 15 secondes que ça lag. Ouais, tu vois. Pourtant, il n'y a rien qui est branché. Ouais, d'ailleurs, tu vas arriver sur le dernier virage. Ah, tu vois, d'ailleurs, il le passe en quatrième, lui, dernier virage. Ouais, tu vois, c'est assez étrange, ouais. Ouais, d'ailleurs, oh, très bon tour d'ailleurs, tu prends la P3 en médium. Superbe. Très bon tour, hein. S'il arrive à partir en médium, je pense qu'il veut jouer, je pense, quelque chose avec. Bon, c'est vrai qu'il va tenter en médium. J'ai vu qu'il est sorti avec le médium. Psycho Wolf, hein, pareil. Ouais, il y a pas mal de pilotes en médium, mine de rien. Ouais, et je pense qu'effectivement, ouais, comme dit Full Golden, peut-être un long relais en jaune et puis après la pluie. Ouais. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On verra bien quand les premières gouttes vous. We will see. Exactement. Et beaucoup de pilotes tombent en médium, c'est ce qui me surprend quand même. Mais c'est vrai que comme tu le disais. Et là, beaucoup en médium, c'est. Ouais, et puis comme dit Acta dans le chat, un gros temps de Warzazat, mais c'est un très 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 bon Warzazat, hein, un garçon adorable. Il l'a pas fait en médium là. Il l'a fait entendre, hein. C'est juste que maintenant il a les médiums.
Il l'a fait entendre. Ouais, C'est il a quoi? zéro Il y a tour. que Dayak qui a fait un temps en médium. Sinon, de combien ils sont à entendre? C'est mal foutu leur truc. Et tu penses qu'il Ouais. l'a fait en médium? Mais non. Et là, tu vois, là, Warzazat. Ah non, attends, c'est qui? C'est Kev? Kev qui a dû. Je sais pas s'il l'a fait en médium en temps, je me souviens plus. Ouais, mais c'est super propre, il a du monde derrière, il a plus d'essence malheureusement pour améliorer. Zomag qui sur l'Alfa Romeo qui donne tout là. On va rester avec le pilote. Alfa Romeo Sauber. On va voir, hein, c'est possible hein, qu'il pleuve pendant la course. Voilà, Kazanovic qui a 2 secondes d'avance. Non, j'ai rien dit. C'est sur le temps que t'as 2 secondes. Voilà, attention de ne pas sortir pour The Mag. Il arrive sur la fin du secteur 2. Ah bah ouais, dis-nous la météo, Dayard, si tu peux. Comme ça, Ouais, je veux bien, comme ça. comme ça, on saura exactement. Kazanovic est meilleur pas dans les 2 premiers secteurs. Ouais, pas de pluie prévue, je m'en doutais, tu vois. Merci, Dayarn. Merci d'ailleurs. Ouais, pas de pluie prévue, donc c'est ce que tu disais. Je pense que là, les pilotes en jaune ont décidé de décaler la stratégie. Zomag 15e pour le moment, qui passe 7e, beau temps. Beau temps pour le pilote Alfa Romeo. Est-ce que derrière, on a Flocus qui va arriver là et ce qui va être en amélioration, je crois pas. Kazanovic Hein. qui rentre. À mon avis, Ouvre il reste encore 4 minutes, il a le temps de rentrer ou de lancer, mais il a plus d'essence là. Il a plus d'essence pourtant et il lance quand même un tour, c'est un peu étonnant. Ah non, il a. Non, Ah, non, mais c'était. grâce Ouais, au ouais, gaz, ouais, c'était c'était. pour ça Autant pour moi, je qu'il crois que c'était fallait un. qu'il était sur une bonne amélioration. Non, mais je crois qu'il était en tour de sortie, mais autant pour moi. Ah, ouais, ok. Non, un très beau temps de Flocus, troisième Ah, temps, ouais. super. Très bon temps. Morzac qui rentre au stand. Mazumak qui a 2 secondes de retard sur son temps. Ah, on a une McLaren là qui est un peu. Ouais, Maestor qui était Qui a dans laissé l'air. passer. Ouais, Qui a laissé passer quelqu'un. je sais pas qui aurait pu laisser passer. Sous Kev, pareil, il est en tour de sortie. Je sais pas. Ah, tu vois ce que je te disais, tout le monde est Ouais, transformé en tout temps le, ouais, maintenant. tout le monde, tout le monde, les 8 premiers sont passés en rouge, ouais, c'est ce que tu disais. Et effectivement, à 3 minutes de la fin, à part Kev qui est maintenant en tour de sortie, toujours en jaune, Mad Forex tour de sortie en rouge, Ouais, Sikovolf je en mets du rouge, Rosalia. Kajdanovic Rosalia en rouge. 16e. J'espère qu'il a une amélioration là. Ouais, Ozavia qui a l'air d'être lancé là. Ouais. Ah, il va aller chercher l'aspiration, un peu d'aspiration sur Ouais, la Mercedes là. il va se décaler au dernier moment. Bon, attention, ouais, heureusement Toujours qu'il pas l'a un temps vu. sur la Mercedes. Ouais. Ah, c'est Putain, pas sa mal. réaccélération de l'épingle, il Zut. fait un Qu'est-ce que j'ai 3 fait? coups de chute. Voilà. Ah, il passe en cinquième, lui, ici. Ça invalide pas le tour. C'est bien, c'est bien. Eh Ouais, c'est bien, ouais, beau tour. onzième. Ouais, Bon onzième, c'est thème, hein, bien. c'est toujours C'est bien, ça. c'est Il va bien. À deux partir minutes de pour un la fin deuxième des tour. qualifs. Non, il va partir pour un deuxième tour, donc on va suivre de très près. Ouais, je pense qu'il va. Il va lancer un deuxième tour là. Ah, il Ah, a il une a plus seconde de d'essence. retard dès le premier Ouais, il secteur, a plus hein, ouais. d'essence. Il a ralenti. On va suivre Sikovolf Putain, qui lui est quoi. lancé à fond les ballons là, ouais. Ah ouais, qui vient d'entamer, qui est 12e. Il a pas grand-chose, hein. Il améliore de pas grand-chose Ouais. et il peut aller jouer, bah, la 3e place. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a, bah, il y a vraiment très très peu d'écart entre la troisième et la dernière place, enfin l'avant-dernière, ouais. Il y a une seconde même pas. Il y a 8 dixièmes hein, Ah ouais, entre le troisième et il le reste pas quinzième, grand donc chose. il y a moyen que s'il s'applique.
Il a grappillé 2-3 ou ouais 2-3 ou 3-4 dixièmes, ce serait pas mal. Ce serait pas mal pour Pour lui, une je pense. amélioration, hein. Et ouais, en Parce que plus. une demi-seconde, hein. C'est donc 6 dixièmes, j'ai vu. Alors là, il peut aller chercher une P3, là, c'est quoi, s'il fait. Voilà, ce serait pas mal à 47 secondes de la Ouais, fin en des plus, il est 23. qualifications. Alors, on va Allez, rester faut avec pas se lui là en caméra louper dans embarquée. l'épingle. Voilà, surtout pas se louper ici à la Mais une bonne Raxel. épingle, C'est position Raxel, propre. ouais. Allez, dernier virage, faut pas qu'il sorte, parce que je pense que. Tu vois, il le passe en Voilà, quatrième, il y en a super. Ouais, certains. L'île, ouais, ouais. il est sécure là. Et voilà, Il est quatrième place. quatrième. Et voilà, Attention, Maxfor, quatrième il a amélioré place. entre temps. Maxfor qui a amélioré juste Et devant ouais, lui. Mad4X qui a amélioré juste devant. Ouais, troisième place de Mad4X. Ouais. Très bien. Super temps du pilote Voilà. McLaren. Faut que Très, très Justy bien. sorte pas. D'ailleurs, il sort pas. Tic ressort pas. Allez, on va se mettre sur Morzac. Morzac qui a Alors, un Marzac. dixième d'avance au deuxième Et secteur. Warzazad qui signe, qui prend la pole Il encore une fois prend. en 9,29, Ouais. 241. Allez, Marzac qui a. Allez, attention, Pets. Ah non! Petz qui son Bonjour, collègue qui ne Pets. l'a pas vu! Ah, ça a amélioré en violet! Regarde, il lui passe la main, il Je lui sais fait pas un si. coucou. Mais qu'est-ce qu'ils Parce ont qu'il a voulu lui fait? donner la Ah ouais, mais là, il lui a cassé la spi. spi. Ils se sont pas mis d'accord. Ouais, Il lui a cassé la il a dû spi! freiner. Il a dû freiner parce que sinon il tapait, hein, vu la vitesse qu'il Ah avait. oui, non, c'est. Non, non, c'est. Mauvais Ah, c'est calcul! dommage là. Mauvais Ouais. calcul! Parce qu'un dixième, C'est Ah, il passé à pouvait ça gagner de. Ouais. une place. Bon, c'est pas grave, de Ah, il toute est loin. façon. Ah, tu vois, une seconde 7. Hein. Ouais. Chicane est rentré. Maxfor. Psycho, pop Psycho. Et Allez, c'est. 32 heures Qui a pas. amélioré devant Morzac là Quelqu'un qui est passé. C'est en Redo, non? Bredo, je Et crois, ouais, oui, c'est c'est un Enredo Bredo qui qui est s'est passé pris en la cinquième course. position pendant qu'on discutait. Et il a Ouais, fini. Mad Et Pro, il ils a l'ont fini en marqué. Redo. Alors ici on a Kev qui doit relâcher son effort. Ensuite on a Warzazad qui est toujours à fond les ballons. Je sais pas s'il va essayer d'améliorer. Puisque. Je sais pas s'il a l'information, mais là mon grand. T'es le dernier en piste, économise tes pneus. Économise tes pneus, voilà, ouais. Tranquillou. Moi, je lui reste en Ouais, c'est. 8e, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais, P7 en d'ailleurs, tu médium, mets 17, Dayard. hein. Ah oui, t'es bien là, hein. T'es très bien, hein. Ouais, ça rentre au stand pour Parce voir que. Zazat. Et les qualifications sont Son terme. terminées. Là, tu vois, On a c'est beau. encore. J'aime bien là, cette saison parce que tout est serré pendant les qualifs. Genre, tu peux améliorer de rien du tout ton tour, mais tu peux gagner genre 5 places. Ouais, exactement. Oula, attention là, les voitures de voiture là. Oh là là, on a un embouteillage sur le. Ouais, il y a un T'as vu ça? embouteillage dans les voitures Ouais. qui. Les bots qui rentrent au stand. Les boîtes qui s'amusent un petit peu. En attendant, ça nous donne Warzaza, JKL, Mad4X, Picowolf, Enredo, Flocus qui a signé une belle sixième place derrière Tic, Morzak, Zomak, Kiev, Ozavia, Oxwolf, Kajdanovic, Monsieur Super Propre et CG Pets. En tout cas, félicitations à eux. Les qualifications viennent de se terminer. Oh là là, attention, attention. Bon, ben, c'est pas mal du tout. En attendant, Ouais. on a très très peu d'écart. Comme on C'est peut le voir. chloral Hein, du coup. ouais, regarde, on a. Entre le sixième et le dernier, ouais. Jusqu'au. On Ouais, a jusqu'au dernier, hein. 10 pilotes qui sont en moins de 8, de 9 dixièmes, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Coucou le pack, hein, le pack. D'ailleurs, il court ce soir, le Coucou pack. le C'est pack. la Ligue Ouais. B, là. Alors ça s'est passé comment en Ligue C, tes C'est qualifs? en Ligue C, en Ligue Pour la C. Il court en première. Ligue C. C'est En sa plus, c'est sa première première. avec Red Bull. Avec Red Bull. Et Ouais. mais ouais, mais ouais. Bah ouais, on va suivre ça de près, on va regarder la rediff, je pense, Ah ouais, moi je on va pense que se je vais mater regarder ça la rediff. tranquillement. Entre deux petits examens, regarder des petites rediffs. Ah, t'as des examens en ce moment. J'en ai deux cette semaine, j'en ai deux la semaine prochaine. Ah. Et après, j'ai les gros examens qui arrivent fin juin. Ouais. Ouais, ça commence à taper lourd, hein. Ça commence à.
À faire mal. Ouais, merci le pack qui nous dit bon cast et puis il espère que ça va bien Merci se le passer pack. en Ligue B. Ouais, il va pas pleuvoir J'envoie donc une bise. a priori Faites ça va attention au bien pack. se passer. Voilà. Bon, bah Là, il va écoutez les falloir, parce que amis, souvent, le premier virage, je reviens il dans y a pas deux mal de minutes. castes. Je te laisse l'antenne 2 petites minutes, je vais aller chercher de l'eau et je reviens tout de Oui. suite. La course dans 4 minutes, il lance. J'espère qu'il va pas y avoir trop de casse dès le premier tour. Pas de voiture de sécurité. Bon, déjà, il n'y a pas de pluie, alors il n'y aura pas de stratégie pour tenir les pneus le plus longtemps pour passer les pneus pluie. Et j'espère que Psaeco va pas faire comme à Monza, hein, qui était parti dans le top 5, il me semble, et qui s'était crash ou qu'il avait spin, je sais plus exactement, à l'épingle, à part l'épingle, à la chicane du premier tour. J'espère qu'il va faire une bonne envole, parce que il a beaucoup progressé depuis le temps que je roule avec lui. Et même j'espère que tous les pilotes vont faire un bon départ et qu'il va pas y avoir de casse. Et Warzat, bah, qui prend la tête, qui est premier. Hein. Et voilà. Hop. T'as oublié ton passeport, hein, j'espère. Non, le mien il est valide. Non, toi, tu dis ça, il est à la préfecture. Mon vrai passeport. Bon, j'ai regardé le départ de l'Alixé. Alors? Et le pack, il est bien, la deuxième. Bien, très bien. Il y a pas eu de, j'ai pas eu de drapeau jaune, alors c'est bien passé. J'espère qu'il y aura de même ici. A priori, Ouais. il n'y a pas de On lance souci, je à pense. 34 justement. On va bientôt 34. lancer. Il est 34. Il est 34. Bah écoutez, on va se mettre en mode course. Hop, voilà. Tranquillou. On est parti pour bah, pas mal de spin au départ, je pense, avec ce premier virage là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, faut voir après. Hein. Moi, j'ai toujours peur, enfin, sur ce Moi, je pense premier plus au départ là. freinage. Ouais. Je pense plus qu'il y aura des casses d'aileron à cause du freinage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus ça. Là, il est à la chic et à l'épingle. Pour moi, je pense que c'est là il est plus dangereux qu'au Ouais. début. Non, bah c'est vraiment le premier là qui est traître. Parce que t'arrives quand même assez vite. Et T'arrives puis assez vite, faut pas trop freiner
trop fort. Je peux Bonsoir, faire un monsieur petit Gary risque. King. Salut Comment Gary. on va, Gary? Hop, on va changer de lumière, non? Je change pas de lumière, on va mettre plus de lumière. Hop, hop. Allez, c'est parti là. C'est Ouais. parti, ils sont prêts, ils sont chauds. Le tour. Hop. Toujours, toujours si chaud. Ah, il prend l'exemple des meilleurs, un body. Ouais, non, mais moi je me rase la tête depuis des années. Avant, j'avais les cheveux longs quand j'étais jeune. Jeune, quand j'avais votre âge, quoi. Quand j'étais jeune et bête. Et insouciant, inconscient. Mais non, non, mais depuis l'armée, j'ai opté pour la coupe. Au moins, le coiffeur, il doit pas te coûter cher. C'est bien Ah non, l'essentiel, Sam, tu c'est vois. ma tondeuse, Tu donc fais des économies. c'est ouais, Tu ça fais c'est des clair. économies. Mais c'est vrai que une fois de temps en temps, un petit massage là, un petit massage du crâne, tu sais là. Ouais. Et ouais, dans un salon féminin de coiffure où tu te dis oh, je me suis trompé, mais c'est juste pour me raser la tête. Ah, bah ouais, bah faites quand même. Ouais. J'ai 5 Enfin bon. minutes. En tout cas, bah écoute, comme tu le disais, derrière 7e place en jaune, Ouais. on a Osavia qui est en hard. On a Avec CGPETS Pets. qui est en hard également. Ça va faire mal, les gars. Attention au départ parce que les pneus hard, ça va être tendu, hein. Même le médium, hein. Ouais, mais bon, Je m'en peut-être fous du médium, mais là les bon. médiums. Comment ça, porno? Ah, prono, pardon. Prono. pronostic. Moi, je vais revoir Zazette Raclette. devant. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre un pilote. Hein? Moi je dis que Dorian il va spin. Rah. Tu lui À souhaites le chaque pire? fois que je joue, à chaque fois que je joue avec lui, j'ai envie. Ouais, mais Mathéo, tout ça, je suis mort, j'aime bien. Non, faut pas dire ça. Il va pas speed. Voilà, Hop, on on repasse en stack-kick, mode mais non, personne va performance. spin. Il n'y aura pas un drapeau jaune. Il n'y aura pas une safety car, il n'y aura rien. Voilà. Sinon, ils nous doivent tous 10 balles. Voilà. Alors, hop, on va remettre. On Les est prêt. pilotes qui s'alignent. Bon, allez, moi je vais mettre au milieu. Je vais mettre sur The Mag. Pets, hein, toujours le dernier. Il fait bien refroidir les pneus des autres. Pour l'instant, tout le monde est bien sagement installé. Ouais, bon. Ah, il y a du mouvement. Extinction des feux. Ça y est, ça va partir. C'est chaud là. Ouais, toujours, allez. Ça y est, envoie les. Allez, c'est parti. Un très bon départ de Warzaza. Diken qui suit bien derrière. Mad Forex qui, aussi après un bon départ. On Ouais. a Psychovolf. Attention là dans cette première chicane. On va passer en vue Attention. extérieure, s'il vous plaît. Voilà. On va voir un petit peu comment Ouais, ça c'est se dommage qu'il a déroule. perdu deux places là dès son Oula, il y a des départ. ailerons qui volent derrière. Ouais, tu vois, Attention, tu vois, souvent. c'était ouais, l'escargot là, toujours compliqué. Oula, attention, on a Toujours. Kev Parce que qui personne se fait spawn pareil, attaquer. alors. Ah ouais, jusqu'ici là, ça va être complexe. Après, ça va venir C'est un petit good. peu. Voilà, les 5 premiers, ça a pas changé. D'ailleurs, tu fais un bon départ hein, avec ces Ah, et médiums. Kev qui se fait Il est rattraper là passé par 6ème. Kajdanovic au milieu. On a une belle bagarre au milieu Hop. là. On va aller voir Monsieur l'échange de Propre qui a perdu place. pas mal de positions. Allez, ça y est, on a le petit Surtout train là qui a qui s'est gagné 3 installé. places. Voilà, celui qui a gagné le plus de places, c'est Kazanovic. Hein, avec 4 places. Après, c'est Pets, ça va être 3 places. Ouais. Et ouais. Donc pour l'instant, pas d'incident à déplorer. Voir Zazat qui a déjà pris une belle avance. On a déjà une seconde. Là, il y a un sacré train. Ouais, Là, il y a un ouais, sacré ouais. train. Là, Par moi, contre, je dois derrière, couper la queue. ça va suivre de très Attention au près, ouais. freinage, là, parce que tout le monde freine pas pareil. Ouh là 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 là, Tic qui a loupé son freinage là, qui est allé très très large, Oh qui a non. failli percuter la Renault là. De Morzac, c'était moins une, hein. Ouais, on va voir. Ah, Max Fork est. Oh, c'est qui pique là? Eh Ah oui, ouais, c'est le on a. bug du troisième Ah mais non, tour. non, Ah ouais, oui, non, c'est tu moi, m'as c'est le fait. bug. Ah ouais, c'est le bug Ouais, moi du. aussi, j'ai pas compris. Je commence à voir ZZ perdre deux plages. J'ai fait.
Non, non, ouais, c'est le bug du, le fameux bug du troisième tour, Ouais. comme on le connaît si bien. Et j'y pensais plus. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Bon, Ça, le c'est mec bien a pris ça. 3 secondes de pénalité. Allez, derrière ça se bagarre toujours là, Psychovolf qui a la bagarre, qui est suivi de très près par Enredo. Il y a Dayard qui est derrière en cinquième place. Et D'ailleurs, qui est passé là, qui est passé sur ouais, il est passé Enredo. Dayard et on a Enredo qui a une Ah non, il aura pénalité une cinquième déjà. bataille, hein. Ouais. Est-ce que ça va passer pour Dayard là? Ouh. Eh ouais, ça passe pour C'est pas Dayard, ça passe aussi Taiko. pour Enredo. Voilà, attention, Taiko qui a Psychovolf, une fiche à il est. l'intérieur. Il est pas très très bien là. On a perdu 2 places en virage. Là. Faut vraiment qu'il arrive à suivre le train. Là. Et ouais, Il parce a que l'air c'est ici que d'être ça se très passe pour le dos. moment. C'est pour ça que derrière, avec Tic. Hein. Ouais, Tic qui est à la 8e place. Dayard qui est passé Zaken 4e. qui a déjà 1 seconde de retard sur le Warzazat. Qu'on a tous les DRS qui sont allumés sur les panneaux, mais ils sont pas utilisables. Oh là, attention au freinage, comme tu le dis, hein. Ce freinage là, c'est difficile là pour les pilotes. Ouais, ouais. Cette épingle, elle est difficile hein, quand à plusieurs. Hein. Ah ouais, au début, ouais, c'est sûr qu'elle est compliquée, hein. Allez, alors qu'on a Ah là, il va sûrement y avoir des écarts. Là. Ceux qui n'ont pas le DRS, ça va être Ouais, compliqué pour eux ça sur va la être difficile droite. puisque là le DRS va être activé et on le sait sur le circuit, c'est une arme fatale. C'est une arme fatale le Ouais. DRS. Il n'y a pas de gros écart encore, ça va. Forzek ça fait 3 secondes d'avance. Forzek qui a un gros rythme hein, là sur son début de course. Bon, attention, ça sort large. Ah, c'est toujours un virage très compliqué. Hein. Ici, c'est un secteur qui est pas simple. Le Et 2. Psychovov qui est bien repassé. Hein. Ah là, c'est cool, il va avoir du mal hein, parce que derrière, hein, il y en a Ouais, derrière, 3, il y a du 3, 4 monde. à la chaîne, voire plus. Il va pas avoir de DRS, je pense qu'il va être obligé Ouais, ça, il se décale. de souffler un peu sa barre de RS. Le DRS activé, ça va tenter. Qu'est-ce que ça va tenter, Ouais, Orzac? direct à un Morzac qui va Ouh, il a un passer. spin. C'est qui est derrière, qui est dans l'herbe? Ça a cassé pour Monsieur Super Propre. Aïe. Aïe, aïe, Aileron aïe. tout droit. Alors que là, Monsieur Morzac vient de se Sup. faire dépasser. On va aller voir Monsieur Subou. Ouh là là, dis donc, on a une sacrée bagarre là au Allez, milieu là avec ouais, Cash il y a une Danner. Et grosse ça pite pour bataille. Cash Danner. Ouh, C'est ça GPS commence qui sort là. large. Et Kev aussi, ça pite pour Kev. Allez, ouais, ça c'est les problèmes d'aileron. C'est les problèmes d'aileron. Monsieur Super Propre. Ouais, qui a pris un Qui a petit peu de bloqué retard, au qui va fond pite, hein. Raptor là. Qui va pite, Kev qui pite. D'ailleurs, 4ème, bien. Enredo 5ème. Attention là, à la réaccélération, ça glisse un peu. Et là, sur l'arrière de la course, ça continue à se bagarrer, hein. Ouais, Entre ça CGPet, suit, hein. Il Cash n'y a pas de gros Danovic, écart. Hein. non. La Morza, Psycho et Tic, même la Mercedes, hein, ça. C'est pas loin. Même quoi, ouais, même tout le monde. Hein. Il y en a un qui se crash, il perd tellement de. Il y en a un Ah, qui c'est fait clair qu'il que sort là, un ouais. peu, ou qui se loupe au freinage ou sur sa trajectoire, il Parce que perd là, les vitesse à écarts petit sont vraiment blast. très Hein. faibles, hein, ouais. Ouais. On va rester sur CGPS, là, un petit peu. Ah, c'est le problème du peloton, c'est qu'il faut faire attention à tout le monde, de devant, derrière. Ah, sur le circuit avec des grandes vitesses, puis des gros freinages. Ouais. C'est ça qui est compliqué, hein. Honnêtement, je pensais pas, ouais, que. On n'aurait pas de problème, franchement là, bravo aux pilotes. Moi c'est plus Bravo. sur le premier virage. Ah, moi je t'avais dit que c'était l'épingle que j'y craignais le plus. Ouais, CGPet ici qui déclenche le DRS qui va revenir sur Cash Warzazat qui Danovic, mais s'envole. Il s'envole hein. attention ici. Ouais, D'ailleurs qui est passé Warzazat qui prend sous. Ah non, Max Fort qui pite. Matt Forex qui pite. Cinquième tour, faut voir sa stratégie. C'est sur lui pour voir quel pneu il met. Peut-être qu'il pique maintenant pour pas sortir dans le trafic.
Et il met des médiums, hein. Sûrement une stratégie à deux Et arrêts. là, Oxwolf qui passe sur Flocus, attention Tsaïko, ah, derrière, Tsaïko qui a cassé Kajdanovic. son aileron. Aïe aïe aïe. Tsaïko qui a cassé son aileron. Et The Et Mag, qui il se fait paraît passer, qu'il ouais. s'est arrêté. Et je crois que bah, The Mag, il l'a tué aussi. Ouais, Zomag au Je suis stand, aileron. Psychovolf qui en Ah, sort d'accord. avec des hards. Kiev qui arrive, Monsieur Super Propre qui a un petit peu de retard, qui a pit, hein, lui qui a dû Ah, casser lui, un il avait petit cassé, qui a hein. dû casser quelque chose. Ah oui, il avait cassé tout à l'heure au troisième quatrième tour. D'ailleurs, tu fais une bonne Malheureusement remontée pour avec ces lui. médiums, hein. Tu fais une belle remontée d'ailleurs avec ces médiums. Et là ça passe là, sur CGPet qui passe sur Kajdanovic tranquillement là, sur Wolrock, cette zone là de DRS ouf, justement. septième. Qui revient bien, 7ème, 6 places de gagner depuis le départ. Il y a Avec l'attaque sur Kajdanovic qui va Zeke. déclencher le DRS aussi. Ah, Avec il y a le du monde au DRS, milieu, ça a hein, du il y a mal à du monde. revenir. Ah ouais. Ah, au Et ça freinage. pite pour Warzazad, ça pite. Attention, attention, freinage à deux fronts. Et c'est passé pour Wolf. Ah, là, il y a beaucoup de dépassements à l'épingle. Ah, là, En c'est fait, il est entre mieux Focus, sorti. CGPet. Bah, il est mieux sorti, hein. Et ouais, il a C'est pris mieux une sorti. meilleure Et impulsion, je Kajdanovic pense. qui va attaquer direct. Et ouais, et ouais. Attention parce que derrière, hein, ça. Warzazad qui a déjà qui a pitch, je pense que. Je comprends pas, les Oh, pneus, ils attention doivent à la pas tenir les Mercedes pneus d'angle. là. Ouais, c'est passé pour Kajdanovic. C'est Ozavia qui est toujours en blanc là, mais je pense que les blancs ont du mal hein, quand même. Hein, on voit pas les pilotes blancs, enfin les pilotes en pneus blancs là, on les voit pas super à l'aise, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses. Après, Ouah, ça se décale à ici, c'est faut tendu. voir Ah, parce c'est tendu, mais que ouais, ah Warner là 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 là, on peut pas se il a décaler plongé là. Ozavia. Ozavia, on peut pas Il plonger a pas vu là. Ozavia. Ah ouais, c'est compliqué de plonger. Et ouais, puis Ah, Warzazat du il faudra coup qu'il check qui va passer, Warzazad, il va pas Warzazat! perdre de temps. Attention. Et qui passe en blanc! Ah, c'est une fusée, Warzazat, attention! Les gars Ah sont ouais. très gentils! Zaiken qui. Mais sur la piste, Zaiken. c'est un tueur! Hein. Zaiken. Ouais. Il est déjà repassé 8ème! Sa stratégie, elle est toute faite! Passer les rouges et ensuite les blancs! Et hop à la Faut maison! faire attention derrière parce que vu que derrière dans Medium il va pas pit maintenant. Non, mais Non. est-ce que du coup le fait d'avoir chaussé des blancs pour là c'est CGPet qui Par passe contre, sur la Morzac. stratégie parce que d'ailleurs il a fait exprès de passer en Medium. Hein. Oui, bien sûr, mais Bon, faut alors voir sa quel est le stratégie. ouais. Il pousse. Ça continue là entre Morzac, CGPet. Allez, ça Pète rentre au stand entre. pour Ah Morzac. ouais. Ça rentre au stand pour Enredo. Enredo. Où Oh ça là, oh là passe pour là! Tsaïko? Psychovolf qui a abandonné la session. Qu'est-ce qui s'est passé? Voiture de sécurité virtuelle. Il a du spin à la Raxel du virage. Attends, il Est-ce faisait qu'il quoi? À est. droite? C'est juste Ouais. avant la ligne droite. Regarde, tu vois un point Ouais, bleu qui est ouais, arrêté ouais, sur la ouais. course. Je me Ouais, suis mis sur on la va voir. Ouais, je boucle. vois, on le voit sur la gauche là-bas. Ah ouais, il a bien Ouais, il a tapé, ouais. spin, il est parti Ah ouais, il a directement dans bien le mur, tiens. tapé. Ok, bah Il écoute, a pas pit. c'est une virtuelle donc bah Ouais, attention bah au c'est la delta. piste, or il n'y a pas de débris. Ouais, il est assez loin donc ça Et là, devrait. ça fait. Là, ça fait pas les affaires forcément de voir sa date. Ouais, qui était bien Voir sa remonté date, hein, mais qui va ouais, être c'est bien bloqué remonté, par Ozavia qui vient de le. découper. Et ouais, qui va être Kajdanovic qui bloqué vient de par découper. Ils sont le. tous split en plus de. Ah non, ils n'ont pas tous split devant, mais. Attention de ne pas prendre de Pena. Il y a le De bug. drive through, tu veux dire, ouais, par rapport à. Ouais, Ouais, parce que tu accélères, t'es dans le vert, mais tu vas passer dans le ouais, rouge pile ouais, au moment où ça ouais, va ouais. rentrer. Grave trou, mais. On va suivre ça de près, mais j'ai peur que, avec ce jeu en plus et les bugs qu'on ait connus dernièrement, bah, ce soit pas. Voilà, ce soit un peu le cas et qu'on se retrouve. C'est bon, ça a repris, personne n'a pris. Non, c'est Sur bon. ciel. Et là d'ailleurs il s'est envolé hein, avec ce. Parce que derrière ça se bat, hein, ça se bat. Warzazat, on va suivre le pilote là. Entre Le Pets et pilote As qui Wolf, essaye de gros revenir à gros fond les ballons. freinage, gros blocage de roue pour Pets là. On va voir si Pets va tenter un truc sur Wolf là, parce qu'on en fait du droite. Ouh, attention, Pets! Une sortie de perte, attention.
Oh là Putain, il a là. per... ah, sur... il a réaccéléré sur le vibreur. Il a perdu un coup. Il l'a de l'autre côté, il a freiné, il l'a rattrapé. GG à lui, hein, parce qu'il aurait pu partir dans le mur là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? La fin de message, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça va. Tout va bien. Bon, bah écoute, on n'a eu qu'une virtuelle. Pour le moment, c'est pas mal. Ouais, ça va, il reste une Pour le petite moment, c'est virtuelle. pas mal. On va voir Zazad qui est Ouais. déjà en quatrième position. Ouais. Avec un tour. Ouais, ça va. Ah, il est bien, hein, Ziken aussi qui a pité. Qui a mis des hards. Donc, on a, je pense, la stratégie, c'est Ouais, mais plutôt j'ai vu jaune que hard. tout à l'heure, j'avais vu une stratégie tendre hard. Tu sais, au début, tu vois la stratégie Ouais, moi j'ai vu, du ouais, tendre hard premier sur du long, ouais. Ouais. ouais, et les temps, ils faisaient pas beaucoup. Pour ça qu'ils ont pique, parce que la Ouais. déclamation elle est énorme sur circuit. Et allez, Il a c'est fait une voir déclamation Zazad rapide devant. qui passe Cache Danovic là, la Et ligne c'est droite. Ken qui va essayer de revenir sur Ozavia. Il revient fort là sur Ozavia. Avec le DRS, ouais. Ah ouais. Le DRS il fait tout hein, sur le circuit. Et le freinage Ça aussi. bloque les roues. Ça bloque les roues. Ouais, ça Maxwell, patine un petit pareil, peu là, toujours ouais. derrière. Hein. Maxwell, pareil, qui avait pit. Mais. Lui, Maxor, il est en Et Ziken qui prend en 3 cinquième. secondes. Il faut Il faire prend en attention 3 parce que là, secondes. Et c'est ouais, long. c'est le virage Là, dont faut voir la tu. stratégie de Maxor parce qu'il va faire deux arrêts. Faire attention à sa stratégie. Il est troisième virtuellement avant Ouais, d'entrer au stand. exactement. À suivre. Morzac qui sort des stands là, qui est. Bon, Zazat, quatrième. Non, troisième. C'est Kazanovic. Il va directement à l'attaque de Horse Wolf. Il s'est toujours pas arrêté. Et non, Oswald qui s'est toujours pas arrêté en médium. Ouais. Cash Danovich non plus. Bon, CGPET, il sera obligé de s'arrêter un petit peu dans un petit peu plus longtemps, mais partir en médium, médium hard, ouais. Il n'y a peut-être pas beaucoup de différence entre les softs et les médiums aussi, c'est ça. Ouais, peut-être. Donc du coup. Ou là, même sans le DRS, il revient, mais il utilise toute sa barre de dépassement. Et il va plus avoir de DRS là, Warzazat. Ah, ça y est, il est Sur passé le là sur freinage, Racing ça Point. bloque un peu. Sur Axel. Ouais, c'est propre, c'est propre. Et voilà, il est déjà à la deuxième position. Ouais, il revient fort, hein. Ouais, il revient très très fort. 12 secondes là. 13 secondes d'écart avec Die Hard qui a pris beaucoup d'avance. Ouais. On va voir ce que ça va donner parce que, comme tu le disais au niveau des strats, Bah là, bah, les. Zaken, en plus, il est loin, il est à 12. Non, il est. Attends, parce que je vais regarder si derrière, genre, il pite. 12, ça fait 13, 16. Ouais, il peut ressortir pendant ce Zaken. Je sais pas combien de temps il fait. Il met la rose en chien. Je crois que c'est 23, Je sais 24 qu'il est. secondes, c'est assez long. Hein. 23, ouais. Il est C'est assez assez long, mais long, après, il est hein. court, celui-là. Hein. Comparé toujours à Silverstone et à certains Ouais. Oui, circuits, ouais. il est plutôt court. On va voir ce qu'il va Mais faire parce après, à que. suivre. Hein. Ouais. Je sais pas quand il va pit, hein. Alors, là, t'es électrique pour voir combien il est en termes de pneus. Et ça remonte bien aussi pour ces GPets là. Ouais, il remonte bien. La cinquième. Après, pareil, voir sa stratégie, hein, parce que vu qu'il est en hard. Là, il est en hard, lui il a choisi assez tôt. La stratégie des pneus les plus durs. Matt Forex qui est Ouais, derrière pour qui faire un revient bien. Ouais. hard tendre. Ouais. Hard soft. Je pense aussi.
Je pense aussi. Bah, tu vois là, parce que le pneu qui a le plus gros pour d'ailleurs, c'est 52. Ouais. Bête. Ouais, il est à 33. Il y a Ça un peu va. de dégâts pour Wolf. Aileron, pareil pour Ozavia. On sent des pilotes prudents quand même hein, sur la prise de gaz. Sauf en Redo là qui remonte bien. Trois tours sur les jaunes. Il remonte sur Ozavia. Il y en a des écarts qui se sont un petit peu creusés là. Ouais, là ça commence à. Il n'y a plus trop de bataille. Si entre Focus Ethic hein, ou Oula, c'est sorti large là Formule ou pour DRS. CGPET. C'est sorti large et c'est Ziken qui remonte. Sur CGPET, c'est ce qu'il est dans la zone de DRS, je ne crois pas. Oui, si. Et il se rapproche dangereusement. CGPET qui a fait une erreur dans le Son dernier virage freinage. là. Ouais, ça passe logiquement tranquillement hein, pour Zaiken, attention. Ouais, ça passe bien, c'est Je pense que propre. Pet, il a voulu le décroiser, mais vu qu'il a bloqué les roues, bah, il n'a pas pu le Ouais, décroiser. ouais. Celui qui l'a pris plus loin. Après, pareil, Ziken, il y a 3 secondes, donc ça peut changer au classement final à la fin. Bah, il va essayer déjà, c'est pour ça qu'il voulait passer Kajdanovic qui avait 11 tours dans les jaunes. Il va essayer de remonter aussi sur Oxwolf, qui est pas très loin non plus. Parce que là, ils se suivent hein, les 4 pilotes là. Hein. Ils se Ouais. suivent de près. On note qu'il y a 10 secondes de tryhard. Ou attention là pour tryhard. Tryhard qui n'a plus de RS. Hein. Ouais, je vois ça. Je sais pas s'il cherche à vraiment essayer de gagner beaucoup de temps. Pour pas, ouais, Bon, pour après, pour piter, les mais faire sortir trop loin. il va Mais ressortir faire assez long quand attention. même. Est-ce qu'il utilise tout son. Je pense qu'il va pit ce tour-là. Tu Peut-être pour penses? Etherd. Ah, ce tour, il a 0 de RS. Je vois pas pourquoi il utilisait tout son RS. Maintenant. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il avait une demi-seconde de retard sur son meilleur Eh chrono. bien, on va voir Pour tout de moi, il suite s'il pit. rentre. Eh bien, oui, il Ah. rentre au stand, effectivement. On va voir Attention, personnage de Warzazat. Wills. C'est bon. Warzazat qui va Passe-moi encore. le passer. Voilà, dans le Ouh, c'est comme drapeau jaune ça. là. Je crois que c'est Tic. Non, c'est qui c'est? André 2 qui a du spin. Aïe, aïe, aïe. Ouais, un peu comme Pet tout à l'heure. Alors là, ça revient fond sur lui. Eh ouais, du coup, Il va il a rien du. pouvoir faire. Ah ouais, mais il n'y a pas le DRS derrière. Ah si. Ouais, non, parce que j'étais Ah loin non. quand il a. Non, 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 il n'y a s'il a pas pas le de DRS. DRS. Pourtant, ça va Ça passer bloque les là, roues. tranquillement. Attention. Les trois pilotes. Allez, Ah, du coup, c'est propre. là, Focus est bien. Ah, Oxwolf qui pite. Là, ils sont bien les trois là. Focus est bien remonté. Tico aussi. D'ailleurs, qui est sorti P6, j'ai pas regardé, mais qui est Ouais, sorti qui est sorti P6. P6 et Cachossé, comme tu le disais, Bon, des sachant hard. que Kazanovic va être obligé de s'arrêter, va être P5, Pets aussi, P4. Et après, on sait pas ce qui peut se passer. Et Maxence aussi va être obligé de s'arrêter, parce qu'il ne pourra pas faire tous ses tours en médium. Ouais, et là on a Enredo qui est vraiment en difficulté là avec 4 véhicules derrière lui. Ouais, Il avec a ses pas de médiums, dégâts. hein, il a vraiment du Il a mal. pas de dégâts, mais là il est vraiment mal. Et pourtant, derrière, c'est les mêmes nombres de tours, mais en hard. Et on voit tout de suite la différence de rythme. Je pense que les hard ont vraiment un bon rythme là. Hein. Ouais, Et ouais. Ziken qui passe deuxième position sur Ziken qui Kajdanovic, passe ça y deuxième. est. Gazdanovic, je pense qu'il va rentrer maintenant. Hein, Ouais. à ce Et tour-là. CGPET, sans Il peut voir pas ce que va perdre trop faire de temps. CGPET. Ça va faire les affaires de Matt Forix qui est derrière le pilote McLaren, c'est pas mal. Et non, il rentre Ah, ouais, pas. faut Si ça suivre rentre, ça rentre, aussi. ça rentre, ça Faut rentre. suivre aussi MaxCore parce que MaxCore est obligé de s'arrêter. Drap. Ouh, derrière. C'est qui? C'est Wolf qui a perdu des places. Là, Ah. sur ce drapeau jaune. Attention au freinage ici. Voir s'il n'y a pas eu de dégâts. Attention, ça sort large. On sent les blancs là, ils Super sont fébriles là. accélère.
Ils sont fébriles sur les blancs, les deux, là. Ouais. Oh, ça glisse Donc ils pour sont un peu Oxwolf, c'est fourbeux, enfin, difficile. c'est blanc. Il va tenter, hein, pourtant, il va Ah, il va tenter. passer avec le DRS, il passe large. Ouais, mais c'est moi, c'est la sortie du DRS, puisque là, t'arrives avec une grosse vitesse. Ce qui va pas prendre trop Ouais. large. Hein, ça va, il Non, maîtrise. même Kev, il a pas tenté Ah, de repasser. il aurait pu, hein, s'il avait été beaucoup plus allé sur ses Bah pneus, mais ouais. là. C'est sûr. Bon, attends, c'est bon, Zazat qui a 10 secondes, presque 10 Et secondes ben d'avance voilà. sur Zaken. Et qui va finir tranquillement la moitié de ce Grand Prix Ouais. en tête. Zikien qui a un petit peu de D'ailleurs, t'es retard, 9 perdu sur secondes. Maxor, hein. Ouais. Bah, de Maxor, toute je façon, commence à Malfoy, avoir ce du qu'il va mal avec devoir. ses médiums. Voilà, ouais, comme. Va demander. Enfin, devoir, pardon, sûrement piter. Et CGPET, t'en penses quoi? 13 tours sur les hards, troisième position. Les deux, là, ces deux pilotes vont être obligés de s'arrêter, donc Ouais, je pense c'est que obligé. les deux bouchons vont sauter. Et pourtant, là, ils se montrent Attention, derrière le pressants. Daibo! Eh ouais! Et ça passe! Et ça Ah, passe, hein. superbe, Je pense que superbe, Maxor, il superbe n'a pas tenté à manœuvre. forcer. Non, mais est-ce qu'il va répliquer? Est-ce qu'il va passer au stand tout de suite? Eh ouais, Non, parce non, que il c'est à son tour continue. d'avoir le DRS. Ouais. Et en plus, derrière, Diller, il est en hard. Voilà, c'est Ah, voilà, chaud. faut voir, il va y avoir une sacrée bataille, je pense, tout Ouais. là-bas. Ouais, il va y avoir une sacrée bataille jusqu'à ce que Matt Forix rentre au stand pour changer ses pneus. Ouais. Faites attention à Pets aussi qui est devant. Alors, ils vont revenir assez fort sur lui. Xavier qui est un petit peu plus loin, Zomag aussi, avec un peu plus Et là, d'écart. Pets, il a 46%. Et Mats Fort 47. Et ouais, tu vois, ça commence à faire, hein. Ça commence à... Ouais. Et on a la deuxième partie. On a Warzazad devant, on a 5 pilotes, 4 pilotes au milieu, et puis on a tous les pilotes derrière. Ouais. Au moins, il y a de la bataille, hein. Ouais, il y a de la Pas sûr bataille qu'il un n'y ait petit pas de peu partout bataille. là. Il y a de la bataille un petit peu partout. Et là, en plus, derrière, il va avoir le DRS sur Pets. Alors, il va pouvoir se couvrir un peu de Max Fort. Ouais, je pense aussi, ouais. Je sais pas, Max Fort, il arrive plus à tenir ses médiums. Hein. Il a déjà pris une seconde. Hein. Il va avoir du mal à tenir le rythme d'herbe. Parce que Pets qui n'a plus de DRS encore. Hein. Ouais, mais il y en a. Pets, derrière, qui a plus de Ouais, DRS, d'ailleurs, ouais. attention. Ouh! Ouais, il a totalement loupé son freinage. Hein. Il a voulu freiner plus loin. Attention. Ouais. Ah, ça va, il a pas perdu trop de temps. Et ça fait les affaires de Matt Forex derrière qui voit ça de loin mais qui doit se dire je vais pousser mes gommes à maximum. Mais bon, le problème c'est que derrière il y a du Ouais. monde. Ozavia qui est un petit peu plus loin qui est à 10 secondes. Mais ça va être compliqué parce que là les deux de devant se bagarrent pas avec les mêmes stratégies ou c'est tendu là devant. Hein. Ouais. C'est tendu, c'est Bah là, tendu. en fait, faut qu'ils se mettent un peu sur la stratégie de Pets parce que. Ouais, puis qu'il attende Parce qu'il que rentre au stand Gonzalez, il puisque. pite. Gonzalez, il pite derrière lui. Ah. Ah, pour changer un aileron, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et on a On va se sentir CGPEDS, derrière de Dayard, Pets. Matt Forix, Ouais, toujours la Mathias qui est bagarre. sur un. Maxorix qui est un peu loin, qui faut qu'il pousse un peu là pour avoir le DRS. Écoute, j'avais jamais remarqué, mais quand on est en vue hélicoptère dans le casque, on entend les pales de l'hélicoptère. Ouais. Non, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique et ça nous sort des courses n'importe comment, n'importe quoi. Avec des podiums quand il n'y en Ouais, a je pense pas. que. Ah, ça va passer pour Dayard, hein. Ouais, je pense que d'ailleurs, il revient fort là. Ça va passer là, hein. Pareil. Attention au freinage. Ouais, il a des pneus Le qui sont plus pirou, hein, frais. vraiment. Oula, Ça sera attention. accélère, attention. Petit patinage. Est-ce que ça va rentrer au stand pour. Ouais, c'est GPET qui pite là. Hein. Ça y est. Ouais. Ouais, il a compris que Maxor, là, on il pouvait parlait de pas se Pasquier, hein, parce bagarrer. que je te disais Eh ouais. qu'il fallait qu'ils butent en même temps les deux, parce que sinon. Exactement. Mais il reste quand même 11 tours, attention, hein. Là, faut qu'ils. C'est pas Je pense qu'ils terminé. vont sortir, mais ils vont sortir loin. Ah, pas forcément, faut voir Ça si met dans des le temps, jaunes mais. pour Matt Ouais, ils doivent Forix. pas mettre les médiums, parce que les médiums, tout à l'heure, les temps, ils ont fait Les 6 temps. tours pour les Oh, ouais, non, premiers. mais ouais, c'est clair. Alors. Ouais, c'est clair. Allez, faut pas qu'ils sortent, faut qu'ils sortent maintenant.
Petsk a compris qu'il fallait qu'il sorte. Ah, il est bien sorti, Petsk. Hein. Attention, Petsk, qui peut aller chercher Kazanovic. Ah, nickel. Petsk a fait la bonne opération, là, de passer directement Kazanovic avec ses pneus hard pour essayer d'aller pousser pour aller chercher Morzak. Et là, un peu le grand perdant, c'est Max Faure, hein, qui est dixième, qui est derrière tout le peloton. Ouais, qui est bloqué, ouais, qui est bloqué, là, qui a raté son calcul. Il a raté son calcul, le pilote McLaren. Il a peut-être dû les pousser un tour de plus, peut-être essayer de ressortir devant Petsk. C'est possible, en tout cas, CG Petsk est sorti sixième, juste derrière Morzak, son collègue. Il va y avoir une bagarre à distance entre Zaken et Dayard là, parce que Zaken est troisième. C'est exactement ça. Alors, il va y avoir une sacrée bataille à distance. Après, Dayard, il a 4 tours sur ses hards et devant, ça a 11 tours. Alors, les pneus plus frais, hein, logiquement, on devrait revenir un peu plus vite. Oula, c'est Zomag là qui est. Max Faure qui est passé sur Tic. Oh, attention! Andrédo qui est venu fort sur Max Faure. Eh ouais, attention les deux. T'as tapé, mais je sais pas si ça a cassé. Ouais, je crois qu'il y a un bout d'aileron. Il y a un bout d'aileron pour Max Faure. Eh ouais. Je vais te dire ça, mais... Les lettres, ouais. Il a pas grand chose, hein. Max Faure qui est à 25%. Hein. Andrédo à 19%. Ils vont continuer. Ouais, attention. Ah là, ça, je sais pas si ça va tenir longtemps, mais... Et derrière, on a Oxwolf hein, qui est en embuscade. Bah ouais, il attend la bonne opportunité pour le passer les deux. Hein. Si les deux se foutent dehors, bah... Lui, il gagne deux places, ou même s'il y a un petit accrochage... Ouais, attention, c'est tendu. Et là, ça tente. Hein. Mais voilà, ça sort trop large. Attention. Et ouais, ça sort trop large pour Enredo. Il a voulu trop en faire, là. Il s'est fait avoir. Ouais. De toute façon, au niveau des pneus, il n'y a pas photo. Oula, attention. Ah là, celui qui est le mieux placé en termes de pneus, c'est Max Faure et Oxwolf. Ouais. Andrédo a 10 tours sur ses tendres, on va être obligé de. Sur ses médiums, qui va être obligé de s'arrêter parce que je le vois pas faire 10 tours avec. Attention, Oxwolf. Oula, ah, il a cassé un bout, il a cassé une ailette sur le freinage. Ah là, attention les garçons. Oui, qui c'est qui est dans l'arbre derrière là? Derrière, c'est parti derrière. C'est Tic qui est parti dans l'herbe là. C'est ça, Axel qui a spin hein, là vraiment, c'est le 3ème ou 4ème. Aïe. T'as vu que c'est un virage rapide qui se prend en courbe. Ça joue un peu. Et les pneus blancs, hein, les pneus blancs. Pas les simple blancs, hein. On se couvre. D'ailleurs, t'es bienvenu là, qui est maintenant plus qu'à 2 secondes. D'ailleurs, qui va sûrement jouer et Petsk qui est quatrième maintenant. Hein. On n'a pas vu, mais qui a passé Morzak. Ouais, ça y est. Il a pris des pneus un peu plus frais. Enfin, ouais, il reste 8 tours. Je pense qu'il pourra pas aller chercher le top 3 parce qu'il a 22 secondes de retard. Ouais, ça fait un petit peu long là sur les cartes. C'est un accident. Hein. Sauf si, ouais, Zikien. Mais sinon. Ça va être très compliqué pour lui. Hein. Et je pense qu'il va aller finir P4. Et très bonne place, c'était parti dernière. Hein. On va avoir le pilote du jour. Et là, on a Dayard, hein, qui, tu le disais, il a plus de RS. Essaye de revenir à fond sur Zikien. Là. Après, dès qu'il a le DRS, hein, lui, il a juste à suivre avec le DRS. Hein. Tant qu'il a le DRS, il a plus besoin de forcément utiliser le RS. Non, on voit il est à l'attaque. Hein. Il est à l'attaque Dayard là. Il est plus frais. Bah, il pousse maintenant parce qu'il dit que tout à l'heure, dans les deux derniers tours, ça va être plus compliqué. Il a 3 secondes de pénalité pour Zikien. Donc, ce qu'il veut, c'est revenir. Ouais. Hein. Ce qu'il veut, c'est revenir maintenant. Il faut vraiment assurer le coup sur les 8 tours qui restent. Derrière, il est vraiment tranquille avec CG Petsk qui est loin. Morzak qui roule un peu en escadrille, il y a Kajdanovic aussi qui peut se montrer très pressant. Focus qui a rattrapé la voiture avec celle de l'épingle. Et puis derrière on a toujours le petit train. Vraiment, les pilotes qui ont du mal avec l'air, hein. Dès qu'ils ont une dizaine de tours, hein, vraiment ils ont vraiment du mal avec. Après Kev qui a 15 tours sur ses hardes. Ah ça commence à faire.
Bah, c'est le plus 13 haut que tours j'ai pour vu, il me Tic. semble. Parce que devant, c'est 13 tours. Et logiquement, ils vont au bout avec. Avec Hajdanovic qui a 5 tours sur les blancs là qui est à l'attaque. Sur Morza qui va essayer de revenir. Ouais. Il y a moyen Marie qui Maxwell revienne qui sait là. plus Hein. revenir. Oh, il est à l'attaque hein, au maximum. Attention de ne pas te commettre d'impair, d'erreur, de prendre de pénalité. Ouh, monsieur super propre. Ah, qui a abandonné dans les stands. Et ça spin derrière. The Mac, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu un spin, The Mac spin qui a quelque part. spin et monsieur super propre qui a abandonné dans les stands. Ouais, Zomac qui a spin, ouais, on l'a vu. Et un abandon, ouais, Monsieur Super Propre qui était vraiment très très loin à cause justement de son spin. À cause de. Ça l'a Ouais, vraiment attention, ce qui va handicapé. ressortir. Attention, il ressort. Ah, c'est bon, peut-être c'est assez loin. Espérons qu'il n'y aura pas de safety car à cause de ça. Et Dayard qui est vraiment collé, hein, qui s'est rapproché là. Et il est à 7, à 8 dixièmes là. Là, d'ailleurs, il est dans le DRS là. Alors, je pense qu'il va Oh, il est rester dans dans, le comme tu le DRS. disais, hein, c'est exactement ça. Et peut-être qu'il prend le meilleur tour hein, avec ses médiums. Ouais. Encore Ah putain, la un. voiture de Zaken qui est pas sortie. Monsieur Super Pump qui est sorti mais qui a pas abandonné encore. Ah si si, elle va, Donc, je la vois, elle c'est s'arrête bon, ouais, là. mais. Ouais. C'est bon, c'est bon. Elle a C'est bon, ça disparu. gêne personne. Et devant là, ça continue à se bagarrer entre d'ailleurs les Ah, il va y avoir Ziken. une bataille, hein. Ziken, encore un hein, 14 tours sur les blancs. Bon, on peut dire que Ouarzazate, c'est la même chose, mais il a suffisamment d'avance pour commencer à gérer et à profiter de la bagarre des deux Ah, faut faire pilotes derrière. attention. Hein. Parce que là, Warzazet, il ressort troisième. Mais derrière, lui, il pite plus. Hein. Ah non, non, mais c'est sûr, mais est-ce que Alors, Ouarzazate va si piter? Warzazet, il rentre maintenant. Attends, je vais aller voir les pourcentages. Hein. Parce que je pense qu'il fait de l'économie depuis tout à l'heure. Ouais, il est pas du tout à l'attaque, ouais. Hein. Ah oui, Warzazet, je me dis que c'était Warzazet. Il a quand même 50%. Ouais, Il reste 6 50%, il tours. reste 6 tours, ouais. C'est Mais faisable. pareil pour Ziken, hein. C'est Donc pas, elle est au voilà, mais le problème de le Ziken, même c'est qu'il est. pourcentage. Ouais, il est en Et défense. derrière, il a 30, hein. Or, ça joue, hein. Honnêtement, moi Faut je serais jouer, hein, Ziken, monsieur. je bataillerais pas trop parce que avec autant de tours sur les pneus, là, c'est un coup à spin et puis avoir ses GPets revenir. Après, attention, parce que derrière, c'est pareil, il attaque, il est en 8 tours, il est déjà à 31. Hein. Alors que en C'est pour 15 ça. tours, ils sont à Eh ouais. 50. Et oui, c'est pour ça que ça fait Bah, ça fait aussi les affaires de CGPET qui revient fort derrière quand même. Hein. Attention à ce que ces ouais. deux-là fassent pas de bêtises. Mais Ziken qui a 3 Ouais, secondes, ce je qui pense peut qu'il être devrait bon. laisser passer quand même. Il devrait Vendredo qui laisser passer s'arrête. Dayard. Vendredo qui est au stand. Non, c'est pas ça. Voilà, Enredo qui va chausser des rouges pour les 6 derniers tours. Ouais, je pense Et que puis on a d'ailleurs je vais toujours. aller chercher Ouais. la deuxième place là au freinage de l'épingle, je le pense. On va aller voir ça. Il a quoi? 43% et il est à. Ouais, bah oui, Zaken il va utiliser toute sa batterie là. Il est à Et ouais. 4,5 mais. Et voilà. Ouh, ça revient Et fort. ouais. Je pense Il qu'il va utilise tenter le tout. freinage là. Il se décale. Ouais, non, il est Eh loin, non, il est ça loin. passera pas, ça passera pas. De toute façon, ah! Attention, si le meilleur Axel il va être plus près pour la deuxième zone et là Ouais, il tente le crampon au peut-être premier ici, virage. là. Là attention, ouais. Il a freiné un peu plus là pour bien passer, ouais. Il a, là, je pense qu'il sortait hein, s'il n'aurait pas freiné. Non, je pense qu'il va pas attaquer plus que 12e, ouais, ça. grosse bataille hein. Entre la 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, mais Grosse depuis bataille tout là, à l'heure, hein, Piastri il se a lâche pas. perdu Hein. 2 places. Ouais. Ah, il se lâche Et pas du maintenant tout, c'est du le tout, là, tous, là. Hein. Mercedes qui amène ce train. On a des Ouais, qui DRS tire qui un peu sont dans la droite là. déclenchés, là, Ah, pour Lobby. Ozavia. Qui se Lobby décale va sur Tic, esquiver mais il là. n'arrive pas à réussir à passer. Ouais, derrière, ça. Non! Kev qui a failli embouter le derrière de Xavier, hein, qui a Ouais, qui a été freiné totalement sur tard. le freinage. Qui a freiné tard. On a vu plusieurs pilotes freiner Ah ouais. vraiment tard à cet endroit-là, malheureusement. Bah là, il l'a carrément loupé, hein. Ouais, ça se décale Une grosse ici, bataille déclenchement du là. DRS pour Kazanovic qui revient pas l'AlphaTauri. mal sur Morzak aussi. Hein. Oh, il y en a partout là, c'est on sait plus trop où se mettre là, puisque même Ouais, Flocus c'est bataille partout.
Flocus, qui, y a des pneus à peu près tous dans les mêmes tours. Bah, si vous avez quel mieux hein, avec 6 tours avec ses médiums. 15-16, ouais, c'est ça. Et avec Ajdanovic, comme tu le disais, hein, qui est vraiment bien revenu là sur Morzac. On a que deux pilotes qui ont des pénalités, je tiens à signaler la propreté quand même. Ouais, très propre. Hein, ouais, hein, vraiment. Hein. On le voit hein, des trajectoires. Plus que ça quand même. Ouais. Avec le dernier virage. Ouais, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un, on en parlait hein, avant de prendre l'antenne. Hein, c'est ce qu'on avait un petit peu comme crainte, hein, c'est d'avoir des pénalités tombées et puis avoir un. Un son d'ailleurs qui sort large hein, au dernier virage. Mais il va pas tenter. Maintenant parce non, il va pas tenter. Il va pas tenter. Il va rester dans la zone. Ouais. Il va rester dans la zone ouais, de DRS et puis. Pas qu'il fasse le con maintenant. Non, je pense pas que. Qui prendra le risque. Kajdanovic, yes. Et ça y est, Morzak et Kajdanovic qui se bagarre. C'est Kajdanovic qui a refait la jonction. Il va déclencher le DRS ici. Morzak avec plus de tours dans les pneus. 3 secondes de pénalité pour Dayard. Et voilà. Là, ça et voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Il fallait surtout la jouer fine et pas faire de bêtises. Ouais. Et pas faire de bêtises puisque 3 secondes. Il a une seconde. Et il est plus dans le DRS. Et voilà. Ah, la mauvaise opération pour le pilote AlphaTauri, c'est dommage Dayard. C'est dommage. Après, il reste 4 tours, hein. Faut voir. Ouais, mais bon, 4 tours, c'est jusque-là, il était dans la zone du DRS pour s'assurer au moins les 3 secondes, mais là, il va falloir qu'il passe. Et là, c'est plus la même mayonnaise. Je vais voir les pourcentages pour les deux. Oui, il faut faire attention là parce que Zaken qui va bientôt rentrer dans les 60%, possibilité de crevaison. Ah oui, 3 tours, oui, par contre, ça oui, ouais. Par contre, là, c'est possible que devant l'usure. Après, ah, c'est GPT qui est plus loin. Morzak qui défend à fond sur Kajdanovic là. Kajdanovic qui sort large. Du coup, qui va pas pouvoir bénéficier correctement du DRS. Il est trop loin, il était dans la zone, mais il est trop loin malheureusement. Ah ouais, non, il est beaucoup trop loin. Derrière Matt Forex qui est loin aussi. Pastor, ouais, Kajdanovic qui est toujours dans l'échappement de Morzak, mais Morzak qui est bien là. Malgré ses 16 tours, qui est pas mal du tout. Ouais, il gère bien. Hein. Son collègue il a 46 ans. Ah oui, mais là on va arriver avec des non, il est bien, hein. On va arriver avec des là, c'est vraiment les deux premiers hein. 62 61 ce serait pas le moment de crever je pense. Non, c'est j'ai pète 3 tours ça peut faire 60 ouais 66 67% d'usure voire un peu plus encore. On va faire attention là. Et derrière, qui a lâché une seconde 4. Et ouais, je pense qu'il a compris derrière. Ouais. La photo qui donne maintenant. Mais... Il a compris, mais c'est dommage, c'était pas un bon calcul. Il fallait vraiment rester derrière, attendre. Attendre et puis vraiment avoir des trajectoires les plus propres possibles. Parce que de toute façon, je pense que Zikian aurait eu des problèmes de pneus et il serait passé à un moment ou à un autre. Kajdanovic qui est toujours derrière Morzak. Qui le colle, on va voir si ça passe au. Frère. Si ça passe. Qui vient soutenir son... Eh ouais. Est-ce que ça va tenir par rapport au DRS là? Ouais, on voit, il y a quand même des trajectoires. Ah, il est loin, Morzak. Hein. Est-ce qu'il l'utilise? Ouais, il l'utilise. Il utilise le peu de RS qui lui reste. Il n'a plus rien. Non, il tente pas, il tente pas. Non, c'est trop loin. Pour la deuxième zone où il freine. Tu trouves qu'il freine beaucoup Kajdanovic à la fin? Alors qu'il reste seulement 2 tours. Wolf, attention, ça s'est touché entre les deux pilotes, mais j'ai pas vu de casse. Et Tic qui en a profité tout de suite derrière. Ça va être compliqué de tenir, hein, ouais, pour le petit frère, mais il va le faire, il va le faire. Ouais. Il va le faire. Il a des pneus qui sont certes fatigués, mais derrière aussi, je pense Kajdanovic qui a bien dû les user et qui a pas beaucoup de plus de RS. Hein. C'est pas le moment de faire les cons les gars puisque devant 66 65 ah c'est ça commence à ça commence à chiffrer là hein. Ça
sachant qu'il va y avoir encore deux tours, allez, 75, je pense. On va voir Zazat qui est tranquille à 18 là, secondes. Là, je pense que les pilotes sont en train de prier. Ils sont en train de prier, je pense. Là. Les deux premiers, ouais, je pense pour que là, crever, ouais. Hein. Ouais. Même Borzazat, hein. Parce que s'il crève, Borzazat, il est pas Bah, premier. Il finit c'est. pas premier. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il finit très loin. Hein. Le Quand temps de tu as rentrer le au tour après stand. crever, c'est dangereux. En plus, c'est long quand tu crèves, en plus, au stand. C'est très long parce que la voiture, elle est à l'arrêt presque. Ouais, non, mais même ces longueurs de. Oh Bon, là, on a un secteur drap. 3, attention, c'est Kazanovic. Qui va. Ça fait les affaires de Morzac. Eh ouais. Morzac, maintenant, qui est Eh tout ouais, seul. Kajdanovic qui est loin, qui a fait une erreur. C'est Matt Forix qui est passé. C'est Matt Forix qui est passé sur Kajdanovic. Il revient. Et maintenant, Matt Forix, par contre, lui, il a 8 tours sur les. Sur les pneus et c'est pas. Alors que c'est des médiums qu'il a, ils doivent être. Ses pneus aussi sont fatigués. Oxolf Oxolf qui qui prend prend 3 trois secondes de secondes pédale. malheureusement. Ouais, ça va être compliqué avec les pneus qui commencent à avoir de l'âge, de l'usure. Ouais, c'est les deux premiers là. Warzazad qui doit serrer les Ah, fesses pour ouais. le dernier tour. Là, il entame la dernière partie de la grande ligne droite avant l'arrivée. Il restera un tour. Attention, il bloque les roues. Et on va suivre un Dyer des Iken. Et puis Ah ouais. on va suivre aussi derrière parce que Kev est à la bagarre avec Oxwolf, qui est à la bagarre avec Flocus, Kev aussi, enfin bref. 70%. 70% d'usure, aïe aïe, ça commence à chiffrer là. Ça L'avant commence à gauche là. chiffrer. Et même pour l'avant droit et les ceux derrière, ça commence à arriver à 60. Alors là, les pilotes vraiment, ils prient pour pas que ça crève maintenant, parce que si ça crève maintenant. Eh ben c'est le dernier tour, on va voir ça. On va voir ça, mais Ah, en tout cas on voit Ziken d'ailleurs, qui est. t'es loin. D'ailleurs, t'es loin. Mais là on voit Ziken qui est vraiment en perte de rythme. Hein, Ah oui, sur ces zones de freinage, tu vois qu'il commence, il ouais, qui part. commence à anticiper la crevaison et à se dire oh là, on va pas bloquer les C'est roues. pas le moment. Laisse-y, j'ai plus que deux secteurs à faire. En sachant qu'il faut. En plus, t'as une grande ligne droite. Alors le freinage il va être long. Ouais. Ça va être un gros freinage, alors faire attention celui-là. Là, tu vois que la trajectoire elle est plus pareille maintenant avec Et de ça l'âge. déclenche les ERS derrière plus enfin pratiquement plus de pilotes là sauf Kev ah si Kev Oxwolf ils en ont mais ça envoie tout là ça envoie tout pour le dernier tour voir Zazat qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée attention ouais, il est hyper 72% précautionneux. ces attentes. 72% là-haut, 72% d'usure sur les pneus et 71 pour voilà Zaken. le vainqueur du Grand Prix Zaken de qui remporte. Shanghai. GG voir Zazat. Warzazat Ezikien qui va se présenter à son tour avec Dayard derrière lui. Où ça bloque. Attention à la crevaison les gars, attention. C'est pas le moment. Dernier virage. Ouais, ça va tenir même s'il crève là. Ah, c'est bon, ouais. Voilà, c'est bon, c'est passé. Après, ils ont eu Dayard en très chaud, troisième hein. Je pense qu'ils position. ont. Ils ont dû avoir la goutte sur le front, hein, quand même. Je pense aussi. C'est Gepetz qui va passer lui aussi la ligne dans peu de temps. On a Morzac, hein, toujours 20 Et tours aussi. pareil, Hein. Atis, Flocus et Kev, Morzac ils qui sont a à plus d'essence. 70%. On va aller voir Morzac qui a plus d'essence. Et Matt Forix qui revient à fond les ballons derrière. Non. Et qui a plus Bon, je pense d'essence qu'il non sécure plus. ses pneus. Ah, il sécure ses Ouais, pneus. Morzac il a 20 tours sur les pneus. Hein. Ouais, il a 55% pourtant. Et ouais, Tu vois, il a. ça y est. Cinquième Et place là, pour celui qui a plus de Mazda. tours, c'est Kev, hein. Sixième place pour Matt Oh, Zazat qui Forix, prend 30 secondes. Kajdanovic, Ozavia Zazat en qui va. huitième place, neuvième place, Sonatic qui va arriver. Ensuite, on aura Flocus qui passe la ligne. Ensuite, Kev RCT, Oxwolf, Zomag à son tour va passer la ligne. Et Enredo qui fait des petites manœuvres tranquillement pour chauffer ses pneus J'attends. pour les donuts. Pour faire un départ. Il fait son départ là, il prépare ses pneus pour son tour lancé de la prochaine qualif de la prochaine saison. On a oublié de vous dire, mais voilà, on recommence la course. Allez, c'est reparti. On part du dernier au premier. Et voilà.
Eh ben bravo les garçons, c'était une course, Et bravo à tous. comment dire, pas simple parce qu'il y avait un peu des bagarres partout, mais en attendant c'était une belle bataille au niveau des écuries. GG les Ouais. Renault, nous dit Morzac, tout à fait. Ouais, ils ont fait une belle remontée Tout un à peu, qui fait. était, qui est parti 16e, qui a fini P4, GG les Morzac Renault. 5e, beaucoup, hein. Et puis, bah, Warzaza, Diken et Dayard, un habitué des podiums, Dayard. Ouais. D'ailleurs, on va leur demander de rejoindre la loge. On va leur demander de rejoindre la loge. Canal Plus. Prévu à cet effet. Donc, vous voyez un petit peu la feuille de match. Voilà. Avec 1, 2, 3, 4, ouais, 4 pilotes qui ont eu des pénalités. C'est pas beaucoup, c'est vraiment bien. Bon, il y Ouais, a des c'est pas beaucoup, avertissements, hein. mais dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pas trop de casse non plus au niveau des réparations. Alors, on a Warzazat qu'on va accueillir dans le salon et Dayard également. Ouais, félicitations. Salut les garçons. Voilà, vous êtes les Allô, trois. allô. Ouais, vous êtes les trois, vous nous entendez? Ouais, nickel. Coucou tout le Allô, monde. allô. Ouais, coucou, c'est bon, on Ouais, t'entend. toujours dans GG à tous, personne. hein. Ouais, Alors, GG. Ziken, tu nous entends ou pas? Je vous entends très bien. Et Et c'est vous, est-ce que vous Warzazat m'entendez? qui, ouais, c'est Warzazat qui a pas dû bien activer son. C'est bon. C'est bon? Nickel? Ouais, Nickel. j'avais pas de son. Ah J'avais pas le son. là, Il sortait. le vainqueur d'aujourd'hui, félicitations, félicitations pour ta Merci. course. Merci, merci. Une course solide, on a vu sur les datas que c'était compliqué au niveau de vos pneus sur les derniers tours. Il y avait pas mal de tours dans les pneus. On va commencer par toi, Warzazat, par le vainqueur. Quel est le ressenti de ta course? Comment t'as vécu ta course? Comment s'est passé pour toi on va dire l'environnement de cette course? Dis-nous tout. Bon, c'était moi j'ai kiffé, hein. Franchement, bah après il y avait Ziken qui me faisait peur au début parce que je savais pas trop son D'accord. rythme vu qu'il était rapide sur les précédentes courses. Ouais. Donc et après Bah bon là. bah j'ai roulé, j'ai attaqué Ouais, pas de soucis. le plus possible et puis voilà, j'ai essayé de tenir mes pneus aussi sur la fin quand j'ai vu que j'avais du temps sur Ziken et quand il a pris 3 secondes, j'ai essayé de gérer le plus possible les pneus et d'attaquer dans les 2-3 derniers tours. D'accord. Voilà. Bon, en attendant, Les pneus, c'était. ça allait, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Bon. C'était surtout l'avant gauche, mais c'est normal avec les deux escargots, quoi. Ouais, avec Il y en a deux, cette hein. partie rapide là. 72, je crois. Euh, Ouais. ouais, ça devait être un truc comme ça, ouais. Et sinon, ça devait pas dépasser les 60 sur les autres. Donc, Bon, mais ça allait, t'étais relativement à l'aise. ouais, pas de problème, pas de perte d'adhérence, rien du tout. Bon, bah, c'est bien. Ok. Bah, écoute, on va écouter maintenant Ziken. Félicitations pour ta deuxième place. C'était pas gagné jusqu'au bout, mais avec Dayard derrière qui a pris 3 secondes de pénalité. Malheureusement. Comment t'as vécu ta course, toi? Et est-ce que justement les pneus, ça a été un problème en fin de course? Alors oui, pour moi j'ai eu très 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 peur de la crevaison dans Ouais. le dernier tour, parce que je pense que Ouais. le dernier tour j'ai déjà 70% sur mes pneus, enfin sur le pneu avant gauche, et je me dis tu touches un vibreur et tu le bloques, c'est mort, le pneu il éclate. Ouais. Et ouais, la pression de derrière là pendant ouais, quasiment la moitié de la course, hein, j'aurais Ouais. bien dit, voire un peu plus, c'était stressant, mais ça fait du bien d'avoir aussi beaucoup de batailles comme ça. C'était super propre, même si une petite touchette de rien du tout sur le Ouais, freinage, d'ailleurs, je sur suis la crevaison désolé, je droite. t'ai laissé repartir devant quand même, hein. Ouais, Je vais pas non, passer il n'y là-dessus, a pas de mais. souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, c'est rien. Non, en tout cas, Mais du c'était. coup, Ouais, vas-y, on t'écoute. c'était une grosse course, vraiment un circuit que je ne maîtrise pas du tout pour le coup, Ouais. mais genre pas Ouais. du tout, du tout. Et du coup, voilà. Ah, c'est un circuit difficile, moi, je trouve, la Chine. Hein. Je trouve que Ouais.
C'est pas un circuit facile. Il est difficile, mais une fois que tu l'as en main, il se fait les doigts dans le nez en vrai. Il faut juste trouver en vrai, je pense, les réglages avec lesquels tu es le plus à l'aise, où tu as la voiture qui est ultra stable et ça roule comme sur des roulettes. Quoi. Ouais, c'est ça, il faut avoir, je pense, des bons réglages aussi. Et donc le carpiste. On a vu en qualif que tu avais trouvé le réglage. T'as dit quoi d'ailleurs ? On a vu en qualif que t'avais trouvé le réglage. T'avais trouvé le réglage. Donc le carpiste, il nous reste à accueillir Dayard. Pour son Dayard, podium, hein. L'habitué des podiums maintenant, Dayard. Bravo à toi. Monter sur une marche de plus, mais bon. Bah écoute, ouais, c'était le risque en fait de la bagarre. Moi, je pensais à un moment que t'allais te résigner à vraiment rester derrière, à essayer d'être le plus propre possible. Le pire, c'est que après la touchette, je me suis dit, je l'attaque plus, ça sert à rien. Et c'est là où t'as pris 3 secondes. Un virage comme un con tout seul. Ouais, en fait, c'est quand tu t'es dit, ouais, il faut que je baisse le rythme, c'est là où t'as pris la pénalité. C'est ça, bah, c'est ça les grands. Cassé, il était jaune en fait. Mais... D'accord. Dans l'escargot, il me reprenait pratiquement 2 dixièmes à chaque fois, donc j'arrivais plus à avoir le DRS. D'accord, ouais, c'est ce qu'on a vu à la fin. Tu ouais. revenais bien dans le secteur, fin de secteur 2 et secteur 3, tu revenais bien. Ouais. Ça, oh, c'est... on a un merci du follow. Pneus, je pense, hein. J'en avais un petit peu moins de. Merci. Oui, c'est pour ça que je suis parti en médium en fait. DS Pouf SD. Merci pour ton follow. Bon, ben ouais, donc ouais, et jusqu'à la fin, toi, bon, t'étais un peu plus à l'aise derrière sur tes pneus, je pense. Hein. Ouais, ça va, bah, du coup, quand j'ai voulu commencer à réattaquer, moi, ça glissait quand même. Mais... Ouais. Ouais, c'est peut-être le fait de l'aileron, mais. Non, mais on sentait, on l'a vu, hein, des comportements. Sensibles des monoplaces avec les hards. Hein, sur les réaccélérations, sur tout ça, sans parler forcément d'usure, c'était quand même assez visible dans le rythme. Pourquoi vous êtes parti la plupart en jaune dès le premier tour de qualif? Enfin, moi personnellement, j'ai hésité quand même beaucoup à ressortir à la fin, mais vu le temps que j'avais, je pouvais pas spécialement faire mieux, enfin gagner beaucoup de place par rapport à ce qui est ressorti en soft. Ouais. Donc, et je sais qu'on a fait un ou deux entraînements quand même. Et ils durent 5-6 tours les softs. Ouais, c'est ce que dit Matt Forex, ils tiennent pas, ouais. 4, donc, la meilleure strat, c'est medium hard. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, même en 4 tours. Ouais. Bon, c'est une piste qui use bien les pneus, hein, apparemment. On l'a vu. Il y a eu beaucoup plus de gestion de pneumatique que d'habitude sur les courses. Qu'on a l'habitude de voir où là on a vraiment vu des différences de rythme imposées plus par la gomme que par le comportement des pilotes. En attendant, c'était une course très très propre encore une fois. Bah, la VMV, on a l'habitude. En attendant, Warzazad qui a quand même un petit peu dominé les débats, comme je le connais d'habitude, le petit canasson. Et puis, Ganayou. Et donc voilà, est-ce que vous avez un mot à rajouter les garçons avant de repartir dans vos paddocks? Ouais, moi je vais rajouter un mot. Vas-y. Bah, déjà, merci à vous deux hein, d'avoir stream. Bah, avec plaisir. Et avec bien plaisir. Joué à vous deux aussi, Zikien, Dayard. Bien joué à tout le monde au final. Ouais, merci à toi. Par et contre, toi. Ce qui était plaisant, c'est qu'il n'y avait pas eu de safety car. Il y a eu de la VSC, mais c'est rien du tout. Et, et franchement, c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est bien ça. Départ, ça m'aurait bien arrangé. Oui, bah oui. Oui. Ça leur aurait arrangé. Départ, ça m'aurait bien arrangé en médium. Bah oui, oui. Ouais. Mais ouais, ça fait du bien de ne pas en avoir de temps en temps. Ouais, mais surtout, il y a eu une casse. Hein, on a vu Psycho qui est parti à la faute, mais c'était assez loin, ce qu'a expliqué la VSC. Donc, heureusement, c'était pas une complète. Mais c'est vrai qu'on a des pilotes qui sont très propres. On vous a vu devant vous bagarrer tous. Et également, je tiens à souligner les autres pilotes derrière, soit Oxyvol, Focus, etc. Ils ont fait une course, les gars. Derrière, ils se sont donnés à fond jusqu'au bout. Kajdanovic, Morzak a fait une super course. Les Renault, très très belle quatrième place aussi pour CGP. Enfin bon, bref, c'était une course qu'il y en avait pour tous les goûts dans ce pays chinois, à Shanghai en tout cas. Est-ce que les deux autres, vous avez quelque chose à rajouter, une revendication politique, quelque chose à vendre? On a égalité au championnat avec Dayard maintenant. Et ouais, je crois bien. Hein. Je crois. Ouais.
Je crois bien, je crois bien. C'est pas gentil de me le rappeler. Ouais, mais le proche. Moi, j'ai hâte parce que la Russie, ça va être bien en vrai, je pense. Mais ouais, du coup je suis... enfin, c'est moche, mais je suis content parce que Calais elle a pas fait la cour, donc on prend des points d'avance. Ouais, mais ça, bah oui, ça... Alors, on l'a dit au début. C'est malheureux. Mais bon, les absents ont toujours tort. Bah, il a eu un problème, je crois. Dernière minute, il pouvait pas. Ouais. Ah merde. Donc c'est vrai que ça lui coûte des points, mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Hein. C'est le monde de la course automobile. On n'est pas voilà, voilà. Plus dans les faire tous jusqu'à même la fin. Oxwolf perd gros, il avait que 22 points de retard et perd très gros quoi ouais. Ce soir. Ouais. Bon, bah écoutez, les garçons, bah merci beaucoup. Je vous souhaite tous et à toutes une très bonne soirée. On va vous laisser regagner la loge Canal+. Vous avez les serviettes éponges, la petite bouteille d'eau et la coupe de champagne qui vous attendent pour fêter avec la rediff du GP. Avec la rediff du GP. Non, mais si le Magnum, mais le Magnum, tu viens de le boire sur le podium. Là, c'est en coupe de c'est en loge, tu vois. Donc c'est un peu plus cosy. Il y aura quelques hôtesses. La coupe de champagne planquée dans la voiture, c'était bien. Ah bah parfait. Elle était pas trop chaude à la fin. Lui, il met du champagne dans la commande. Ouais, dans la pipette. Allez hop, c'est parti. Bon, bah c'est bien. Bah écoutez, merci les gars. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir sur. On se retrouve avec plaisir sur la Russie. Ouais, avec plaisir les garçons. À très bientôt. Ciao. À plus. Salut. Eh ben écoute, le carpiste, on a eu une course très sympa, très et puis un podium, un podium très sympa, très courtois. Écoute, gentleman agreement, comme on le dit d'habitude, ça fait bien plaisir en tout cas de voir des pilotes qui sont contents, qui se parlent poliment. Enfin bon, c'est voilà, c'est la VMV, c'est comme ça, ça fait bien plaisir. En attendant, c'était encore une fois un plaisir de cast cette course avec toi, le carpiste. Est-ce que t'es prêt pour aller en Russie la semaine prochaine? Ouais. Je pense que là il va y avoir des belles batailles aussi. Alors prends ton maillot parce que Sotchi c'est plus dans le sud de la Russie, c'est une station balnéaire. Donc on aura 4 jours avant, hein. Nous on part dans 2 jours donc. Ah oui, ouais. Ouais, on va faire du jet ski. Ça te branche? Ouais. Bah, un petit coup de jet ski tranquille, un cocktail, discothèque, enfin tranquillou quoi. La routine comme on dit. La routine du boulot, hein. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous et toutes. Merci à toi, le carpiste. On va s'arrêter là-dessus. Je vais pas oublier cette fois-ci de lancer la scène de fin avec la petite musique que j'ai composée pour vous, parce que j'ai oublié la semaine dernière. Mais tu sais, 2 jours de suite, là, papy, il a fatigué à un moment. Donc voilà. Ah. Bah écoute, merci à toi, le carpiste. Passe une très bonne soirée. Passez toutes et tous une très bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine sur la Russie, Dos Bidania. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On se dit au revoir en musique. Ciao les amis. Prenez soin les uns des autres. On vous embrasse fort. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.
Thank you.